Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Drekolo en multi. On est avec Brodef et Chobiti. Salut vous deux. Salut! Et on se préparait à... Chobiti dit bonjour. Un petit lag encore, ça n'est pas passé. Et on se préparait à traverser, n'est-ce pas? Certes. Brodef, toi et tes 70 C'est égides, vous êtes parti. prêts? Voilà. Il y a une petite montée qui m'a l'air prometteuse ici, hein. Parfait, on va pouvoir se faire direct le phare si on veut. Bah laisse Brodef le faire, il l'a pas fait encore je pense. C'est vrai que souvent c'est moi qui le fais, vas-y montre au viewer comment ça se passe quand tu t'actives le phare et tout. Je vais m'occuper de la petite maison. Alors. Observons. Là. Y'a rien dans cette maison, sérieux? Non, elle est toute vide. Bon, c'est un petit peu flou en même temps. La jolie cinématique. T'as vu, hein? Le feu de Saint-Elme il marche sur les nids de féroce. Pas du tout. Tu me poses une colle. Alors tu nous as trouvé des petits dragors Ah maintenant tout apparaît sur la main. Et après est-ce qu'on a réellement besoin de dragors supplémentaires? Non bah après on pourrait aussi arrêter la série là et puis se faire l'exécuteur hein, mais... Là, on a trois dragors à l'ouest de notre camp de départ. Ah oui, juste là, quoi. Un sur chaque île. Et c'est tout, en fait. Bon, ouais. Bah. Vu la taille qui nous reste dans notre camp, on devrait pouvoir assez facilement leur construire tout ce qu'il faut, de toute façon. Beau niveau d'invasion ici, il y en a deux en haut encore, celle-là. Bah ça se voit que t'as pas vu ma partie avec mon île à 70. Plus jamais je refais ce genre de conneries. Je suis allé sur l'île au tout début, mais t'es côté de chez moi, mais il y avait pas grand chose. Puis j'ai pas vidé l'invasion. Et puis je reviens après, 70. Ah oui, bon bah fallait peut-être en fait que je vide l'invasion. Ah oui, quand tu vas sur une île mais que tu la termines pas, le niveau d'invasion augmente. Ouais. Ouais. Bah en fait, à partir du moment où t'as débloqué une île, les ronces se répandent. Et d'accord. Du coup, bah si vraiment tu te barres pendant longtemps, ouais, c'est un peu la fête quoi. C'est pareil, j'y pense là. Si on laisse les dragors gérer tout seuls les raids, pendant le raid, et l'exécuteur met des ronces. Eh ben, ils peuvent pas enlever les ronces tout seuls. Je savais même pas que les exécuteurs pouvaient mettre des ronces, tiens. Si, si. Est-ce qu'on se rentre en se faisant la petite île qui est à gauche? Ouais, pourquoi pas. À quelle gauche? La gauche sur la carte, Chobiti. Bah, y a pas de gauche sur la carte, y'a que de l'est et de l'ouest. Pourquoi? Vous êtes prêts? Ouais. On saute dans le vide? Ouais. Tu vois une plage? Bah, je m'amuse. Mais de toute façon, je cours comme une patate. Je te vois aller à gauche, je vais vers la gauche, tu vois aller à droite. Elle est joueuse aujourd'hui. Trop compliqué la gauche et la droite. Oui, on dira l'est et l'ouest maintenant, pas de soucis.
4 heures. Copain qui te suit, Chobiti. Ah ! Pourquoi il va vers Boudaf ? Ils esquivent beaucoup plus qu'avant. Ouais. Oui, à partir d'un certain niveau, ouais, ils sont un peu relous avec ça. Enfin, relous. Il y a dans la petite maison. Je t'ai entendu, espèce de loup. Et mon arc. Un peu pourrave, mais tough. D'ailleurs, qui me charge. Raté. Une crève, le croqueur! Il est parti avec ses abeilles. Putain, c'est déjà revenu. Il va falloir un petit peu de soin. Soin, tout à fait. Des choses intéressantes dans cette maison? Non, un peu de ressources, mais pas grand chose pour le moment. Alors, est-ce que vous voulez qu'on aille chercher les trois dragors ou on remonte vers l'île en haut tout au nord, n'est-ce pas? On peut aller chercher les trois dragors et puis aller sur la dernière quête à l'épisode d'après. Ça me va, dans ce cas-là, on est parti. Alors, rien comme ça, non, on aura tout bouclé, on aura délivré toutes les dragors, on aura la fin de l'histoire. Je dois pouvoir utiliser ce petit promontoire pour rebondir. Non, il y a un camion là et l'autre est là-bas. Ouais. Merde. Un chemin? Bah ouais, je vous fais un chemin. Ah, je suis plein, je peux pas prendre le cristal. J'arrive, il me reste de la place. Après ça, les cristaux, c'est pareil, je crois qu'on est pas près d'être en manque. Hein. Non. Oui, bah là, globalement, franchement, niveau ressources, je sais pas si c'est parce qu'on est en multi ou parce qu'on est un peu moins éclaté à construire tout n'importe quoi, mais. Franchement. On est bien. Bah, globalement, dans ce jeu, ce qui est difficile, c'est le début. T'as très peu de ressources et tout, mais une fois que t'as bien géré de relier tous tes camions qui vont bien, que t'explores à fond, t'es pas trop en dèche. Hein. C'est vrai que, surtout quand t'as le truc chanceux là. Mais du coup, je suis plein aussi pour ça. Et du coup, il faut qu'on aille par ici. Par là, ok. Y'a pas un truc de merde que je peux virer? Oui, des feuilles. Ça sert à rien, les feuilles. On va faire un peu d'égide. Hop. Est-ce que je peux caler un petit truc tout en haut du piton rocheux? Faire sans plus on peut s'emmerder si on est remonté. Hop, c'est là. Du coup, j'imagine que c'est pas très intéressant qu'on relie le camion de livraison de pierre. C'est trop loin, dommage. Dommage.
Ah mais t'es mort, Broudaf, dis-moi. Ouais, ouais, il y avait deux trackers. Ils m'ont pris en sandwich. J'en ai eu un, mais il m'a arrêté d'avoir l'autre. Il y a un cimetière ici, je me souvenais pas. C'est pas très grave, ça faisait longtemps que j'étais pas venu en fantôme. Je t'ai ressuscité normalement. Ouais, ouais, c'est bon, merci. Échec. Est-ce que je le vois d'ici ? Ouais, non. Bordel. Ici on le verrait, mais ça veut dire qu'il va falloir faire le tour. Allez, cours petit personnage, cours. On avait lu toutes les notes sur la... sur cette île-là ? Je crois que oui. Excellente question. Parce que celle-là, ça me parle pas. T'es où ? Celle qui était sur le pont, là ? Sur le pont cassé, ouais. Ouais, si, c'était la première que j'ai lue, justement, là, dans le mauvais sens. D'accord. Voilà, on a un chemin. Voilà, j'ai mis plein de briques de jus dans le chaudron, dans une fleur de château. Hop là. J'imagine que t'as rechargé aussi la bouffe. Ouais, bah j'étais vraiment plein, donc ouais. Hop, hop, hop. Donc du coup, ensuite les dragons. Ah bah, faut qu'on reprenne le chemin inverse. Cadeau, donne-moi ton cadeau. Allez, y'a un petit nid là. On allait lui faire la peau. T'as vu? Ah, tu veux t'entraîner à le choper pour plaisir? Mais je suis pas très doué. Hey, à toi, Broudaf. Oh, taf! C'est parti! Et on peut pas relier ce camion-ci au camion en face? Bah, pas avec les ronces. Ah merde! Bah, j'attends que vous le reliez alors! Bah sinon c'était de l'autre côté, peut-être que une fois les ronces cassées pour le relier. Ouais, ah, il y a plus de munitions. C'est trop loin. Ouais. Putain. Ah, c'est trop loin, pas grand chose en plus. Comme il m'a esquivé le petite saloperie de loup là. Ouais, bah écoute, je vais voir si je pose un truc là. Non, je vais en poser un là. Bah, ici ça passe. Je te dis que j'en pose un. Et... ouais, mais tu dis ça, j'avais déjà posé le mien. Ça y est, j'ai le succès pas des abeilles. Bien joué, je l'ai eu tout à l'heure moi.
du succès pour que, faire s'enfuir les monstres. Alors là les gens, faut pas le dire trop fort, mais il y a un pont avec une voiture par terre. Mon chobitier va se précipiter dessus. Y'a quoi? Un pont avec une voiture dans les terres. Ah oui! Mais tu sais qu'il y en a plein que. J'ai été raisonnable et je ne suis pas allé voir. Oh, oh. Plein. Plein. En fait, elle avait plus d'égide. Oui, voilà. Disons les choses comme elles sont. Du coup, il faut qu'on trouve l'Odragor et qu'on lui cale une petite torche. Donc maintenant c'est des cubes, hein, y a plus le rayon. Shobiti, si tu le trouves, nous dis qu'on le montre au viewer, s'il te plaît. Trouve un cube. Si tu trouves un cube, exactement. On va pas purifier en plus encore. Voilà, oui. C'est fait. Nickel. Ah, mais c'est vrai que la voiture plus le coffre. Bah oui. Oh, ah, il est là. Il est là, le Dragor. Est-ce que tu veux le libérer, Brunaf? Bah, je veux bien venir, ouais, on va aller, on va montrer ça. Je ramène Chobiti, voilà. Ah, vous êtes allé chercher le coffre. Ouais, je la voyais pleurer au bord de la plage, j'ai eu pitié. T'as mis dans l'autre sens, Bourdaf. Oups. Moi aussi, j'ai un petit côté Perceval. Le petit cube qui est là. Okay. Donc il te faut une torche brûlante, je sais pas si t'en as une. Je crois. Tu vises bien le cube et... Il va être ouais, dégelé. Sûr, ouais. Sinon j'en ai une. Hein. Ok, parfait. Voilà. Hop. Oh bah y'a plus de cube. Opportuniste. Coucou petit bonhomme. Sneezy. Parfait. Bon bah on a le temps de faire l'île à côté. Dans un élan de vitesse et d'efficacité. Vous êtes prêts ? Go ! Hop ! Et hop ! Alors, ça c'est le tissu... On est trop loin de tout, on est d'accord... Un autre là. Ouais, je le voyais pas. Ah, il y a un Dragor ici. À moi de le libérer. Donc on prend la petite torche, on vise, et hop là. Bagarre. 5% de réduction des dégâts. C'est à toute fin du jeu qu'on a des Dragors qui permettent de booster les dégâts. Ouais, on a vraiment pas été chanceux. Ou la défense. Sur ce tirage. Ah ouais, c'est vrai que c'est toujours pas de vampirisme, de soins. C'est Bourdaf grimper. Ah ici y a un nid. On va sortir le petit. Comme ça, là, ça c'est fini. Tour DPS. Voilà, c'est... Le désherbant, ça fait hyper mal. J'ai pas testé parce que t'en trouves beaucoup moins, je trouve, de désherbant que de tromblon ou de flèche. Ouais, t'en trouves beaucoup moins, c'est vrai. Mais en fait, ça fait des dégâts.
Bah, les bombes à eau, pour le coup, c'est franchement pas ouf, que ce soit en termes de dégâts, de précision et tout. Par contre, le désherbant, ouais, pendant les embuscades et tout, c'est hyper hyper fort, quoi. Pas d'embuscade, là ? Bah, j'ai pas l'impression, c'est pas la même... C'est pas le même schéma que d'habitude, et... Je viens de faire une mine de proximité exprès, quoi. À la dernière. Je crois que c'est la dernière, pense. Et voilà. Bien joué. Ah, on cache. Jobiti. C'était à moi, c'était à moi. Moi. Je te vois, tu me coinces. Oui, je me coince. Ouais. Ah, il y a un camion ici. Oui, mais il est trop loin. Ils sont où les autres? Ah oui, ils sont de l'autre côté. Bah, peut-être en passant par le dessus. Il est là. Tombé dans une caverne. Dans une caverne? Bah, y a rien dedans, mais... Rien dedans, mais c'est bien une caverne, c'est ça que tu dis? Oui. J'étais un peu mal placé en fait là. Ils sont plutôt vers où les deux autres? Ah oui, en fait ils sont pas du tout. Ah oui, d'accord, ok, plutôt par là, effectivement. Hop, si je mets juste sur le coin, ça passe. Et ça passe, parfait. Et avec celui-là, on doit pouvoir se recaler là-bas. Là. Ah, c'était ça ta caverne. Hop. Et voilà, on a un chemin pour rentrer si on veut. Tant bien, il y a un raid en cours. Je vais se trouver le bon chemin hein, parce que ça devient un peu le bordel là. Tu fais tout pour nous paumer. Ah non, mais c'est ouais. Pas moi qui les ai construits, hein. Je te rappelle, Chobiti, que c'est toi qui poses des trucs partout. J'en ai posé que un, peut-être deux. Mais pourquoi t'as pas tourné là? J'ai loin de tourner. Pas encore démarrer une raid. Allez, gars, au taf. Allez, vous aussi là. Il y a des trucs à équiper là. Ouh, je me suis pas paumé sur le trajet. Toi là, t'es peut-être petit, mais t'as les mains assez grandes pour prendre une baliste. Qu'on va en libérer 3, je pense que oui, on va être en plein déch. Y'a un exécuteur qui arrive! Ah, y'en a déjà qui sont fatigués. La vache, lui, ils l'ont allumé à l'autre bout de la map là. Bien joué, les gars! Bah oui, Mussor a besoin d'un endroit où dormir. Après on a le super matelas de relaxation, mais alors pour le coup, c'est vraiment gourmand quoi.
peux mettre un seul dragon dedans et il génère un petit peu de divertissement, mais s'il faut en faire 40, autant dire que ça coûte un peu cher. Ouais. Ils vont se contenter des lits superposés, hein. Ouais, ouais, je pense aussi. Et hop là. Est-ce qu'il y a assez d'eau? Ah, il n'y a pas assez d'eau. Tu entres. Il va falloir construire plus d'eau. C'est où l'eau? C'est là. Oh, bah oui, on peut en construire largement plus que ça. T'as demandé la construction des dodos, pas encore? Oui, j'ai demandé un lit là. Pour faire un de plus si tu veux, mais normalement il y a assez. Après, tu peux compter parce qu'avec le dernier qu'on va prendre, ça sera peut-être plus assez. Mais... Ah, j'entends un dragon qui grandit. Ouais, c'est le petit nouveau. Ah, la réduction dans la boutique. On en a 21 et du coup il en reste plus que un à choper. Donc il faudra un dodo en plus. Écoute, si tu veux, on peut faire un. Un petit dodo tout petit. Un petit dodo, comment. Wow. Relaxant là. Wow. Si on a ce plan. Oui. On en... On a largement assez. On en a 21 là, ouais. Vous pouvez le débloquer. Ouais, mais il y aura un privilégié du coup là. Il y en a un, lui, il sera pas obligé d'être dans un lit. Il aura sa boîte aux lettres, quoi. Tout à fait. Ce sera notre petit préféré. Bah voilà. C'est gigantesque. Ouais, c'est balèze, ouais. Hop. Après ça va créer des dissensions entre les dragors et tout. Ils se réveillent tous du coup, je me disais tiens il y en a un qui se lève pour aller le construire mais non ils sont tous réveillés. Ils veulent tous le lit perso. On les retourne tous se coucher. Mais après faudra l'alimenter en électricité celui-là, est-ce qu'on a assez d'électricité? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... 21 et on produit rien du tout. On produit 30, on est largement assez normalement. Il va juste falloir faire un petit relais. Oh, on va pouvoir fonctionner là. Oh, ce magnifique matelas avec un machine à laver pour. Pour faire le masseur. Puis une petite guirlande aussi. La machine à laver en mode essorage, ouais. Pas con hein. Attends, et le lit c'est des sacs de terreau en fait. Ah oui, le lit c'est des sacs de terreau. Ouais. Bah c'est pas con, c'est des plantes, ils dorment dans la terre. C'est vrai que. Bah remarque tous, ils sont tous des sacs de terreau, j'avais jamais fait gaffe, mais c'est tous des sacs de terreau. Ouais. Ah bon, parce que les autres, je vois des lits normaux en fait. Bah, en fait, c'est parce que il y a la neige dessus, mais. Ah ouais, ok. On a pas oublié de mettre un petit. Bah non, ils gèlent pas, ils s'en foutent. Enfin, tu peux mettre des chauffages si tu veux après, mais techniquement, ils s'en foutent pour dormir. Les seuls trucs qui a besoin de chauffer, c'est les choses qui font vraiment, enfin qui fabriquent quelque chose, et même pire, là on a un truc qui gueule parce que y a pas de chaleur, une arrivée d'eau qui est gelée, mais en fait même gelée elle fonctionne quand même. Oh. C'est vraiment uniquement ce qui produit qui doit être réchauffé. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas de notion de confort chaleur. Et on voit qu'il y a encore personne qui n'a revendiqué le lit, il est vide. Ça va être notre prochain. Ça va être le prochain peut-être. Toc. Du coup, je propose d'y aller et après on pourra arrêter l'épisode. On le libérera lors du prochain.
Alors normalement, il faut aller sur la gauche. Quelle gauche ? À l'ouest, au premier embranchement. Ça va comme ça ou pas ? Ah, je l'ai raté. Mais moi aussi, elle l'a pas pris. Elle a pas tourné. Nous observons Chopiti faire des allers-retours. C'est compliqué. Tout à fait, tout à fait. Non, je ne juge pas. Ah, je suis bien placé pour le savoir. J'ai pour Daffy, il commence à avancer tout droit et tu pars sur la droite, quoi. Je comprends rien. Mais t'es où? Mais c'est l'ennemi. Non, mais c'est bon, je me suis autorisé. Hop. Ah, loup. Allez, allez, on va tuer ce loup. Ah, mais putain, mais c'est relou les. Les abeilles en fait. De ça, là. Tuez-le. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là, même si on commence l'île. L'épisode est suffisamment long. J'espère du coup qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous avez pensé. On se quitte au cimetière. Et on se quitte, voilà, en piétinant des tombes. Merci à toutes et à tous, à très bientôt. Bye bye.